sens. Justin, si tu mets un maximum d'effets sur la fin. T'inquiète, c'est prévu. Après, il faut savoir où est le drapeau. Mais encore ça. Ah, mais le drapeau, là, je m'en branle. Hein. Je veux juste aller sur le green. C'est vrai. Ok. Alors. Il se dirige. Oh, c'est... Vers, t'as pas mis d'effet à la fin. J'ai pas réussi à mettre de l'effet. Ah, dommage. Peut-être que ton perso n'a juste pas d'effet. Si, il en a. Ok. Bah, le drapeau, il est là. Ok, je le vois. Je le vois, mais c'est à peu près à quelle distance. En vrai, celui-là, il est pas mal. Je vais faire ça. Ensuite, c'est vivant derrière. Oh, mec. Oh, dude, waouh. Dommage. Oh non. Tu peux ulti, hein, si tu veux. Je suis à combien de... Mais mec, je sais même pas à combien de mètres je suis. En vrai, compte le nombre de carrés. C'est combien de mètres un carré? Je sais pas. Ça dépend de la grille, du coup. Ça peut se calculer vite fait. Ça dépend de la... Non, mais ça dépend de la grille. Un produit en croix. 1, 2, 3. Attends, tu peux vraiment, parce que si tu me prends le plus court, ça te donne la distance max. Regarde, prends le plus court. Ouais. Voilà. Donc là, tu vois, 10 mètres, c'est le max. Donc c'est genre 12, 13 mètres, quoi. Eh oui. 15, parce qu'en fait, c'est pas 6,3 mètres, vu qu'il m'a décalé avec son ulti. Mais oui, je l'ai décalé. Donc là, faut que tu te bases. Donc là, en fait, quand tu prends le carré, genre le plus petit, tu vois que le max, c'est 10 mètres. Et 10 mètres, c'est avant le drapeau. Ça veut dire qu'on est à 12, 13. 10, 11, 12, 13, 14. Peut-être, genre un truc comme ça. On est à 12 mètres. 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 Je me décale. Attention, il y a une grosse descente quand même. J'ai pas besoin de tirer. C'était mieux si on voyait jamais le drapeau justement dans la barre. Pff, pas assez fort. 3 à droite, non ? 3 à droite, ouais. À droite. Ouais, trop à droite, ouais. Bah en fait, il y avait des full pente à gauche, donc j'ai eu un peu peur. Ah, il est pas simple. Ah ouais ? Ouais, en vrai, je pense que oui. Ah non, il est chaud, le truc, hein. Non, pas assez. Pas trop, ouais. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu vois, là ? Oui. Oui. Aïe 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 aïe. Et le brouillard est parti. En 4 coups. Ouais. Brouillard dur, parti. 4 coups. C'est immanquable ça. Ok. Ok. Du coup, je fais 4 aussi. Bon, on fait tous 4. On fait tous 4. Enfin, à moins que Justin le rate, mais. Non, on peut pas louper. Moi, j'avais vraiment un coup dur. Vous savez. Merci Lomac pour ton 15ème mois. Ok. Ok. Ah, mais du coup, je reste en tête, comment c'est possible ça? Bah parce que t'es juste le monstre. El Monstro. El Monstro. Pff, j'ai tellement de retard, c'est dur hein. Je sais pas si je peux rattraper ça. Merci beaucoup Bag Hug pour le deuxième mois. Amtos pour le deuxième mois aussi. Tu passes au-dessus? Je vais tenter, ouais. Waouh. Ouais. Wow. Ouais, je vais tenter. J'ai envie de faire pipi mais j'ai envie de rater aucun coup. Ah, je vais tenter, ouais. Ouais. Je pense que je vais tenter. Comme ça, ouais, un truc comme ça, à peu près, juste là. Puis je vais faire. Comme ça, là. Ouais, ouais. Joli. Normalement, j'ai pas fait de top spin, c'est bon. Oh. Te souhaitant d'agréables vacances. Merci, Vitzel, pour ton 11ème mois. Merci Soul Life Music, merci ouais, à tous hein, de me souhaiter bonnes vacances, c'est adorable. Merci beaucoup. Non mais tu mettras de l'effet, mais en vrai, je pense qu'il faut pas descendre. Ah bah je suis descendu, hein. je suis descendu. Ouais. C'est une vérité. Non mais je vais ça va le faire. En vrai, tu mets un petit sand wedge. Ouais, tout peut aller exactement. En hauteur, ouais. Et c'est bon quoi, exactement. C'est réglé. Je vous souhaite de choc. What? Hein? Qui a dit ça à qui? Bah moi, vous deux, parce que sinon vous allez gagner, donc je vous souhaite à tous de choc. Ah, on a choc, mais on a Omega Choc les deux là. Super l'ambiance. C'est bien. Bah, c'est super bien. Honnête. Alors, moi j'ai pas de choc, hein. Moi c'était voulu. Ouais. Oui. Ouais. Peut-être que c'est un coup à choc, mais. Non, mais pense. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Quoi? Non. Mais quoi? Ah non. Quoi? À moins qu'il y ait de puissance, mais je pense pas, hein. Bah, pas cette puissance, hein. Et... Bah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, du coup, t'as un grand mur en bas, parce que pour remonter, c'est relou, quoi. Mais non, ça c'est facile. Ouais. Ah ouais?
Après, je dis ça, moi je suis dans un bunker horrible. Moi je. Moi je suis dans un semi-warf. J'ai envie de faire pipi, mais j'ai pas envie de rater beaucoup, c'est infernal. Mec, pisse-toi dessus. On va voir. Ah. J'ai jamais vu ça, je pense. Oh, le raté. Oh, ça décale à droite. Oh. Ah, si, c'est pas mal. Non, mais si ça décalait pas à droite, c'était bon. Oh, t'es bien, mec. Max spin. Ouais, mais je vous ai dit, un décalage à droite me met dans la sauce, sinon ça, c'était direct. À peu près. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais un maximum d'effet vers le haut, évidemment. Non, mais non. Mais je teste. Non, non, surtout pas, le driver. Après, si tu veux prendre le driver, je ne t'en veux pas. Je fais des tests. Bien sûr. Mais bon, après, il n'y a pas non plus. Tu penses que là, en un coup, tu peux aller au-dessus de ça? Oui. Je vais essayer. Faut qu'il mette bien derrière et qu'il fasse une cloche. Et bien derrière. Ah bah, il y a une montée x3. Et derrière, tu veux dire derrière, derrière en haut ou en bas? Plus, enfin, derrière plus fort. Ouais, ouais, ouais. Loin. Oui, pour savoir si on parlait la même chose. Bien sûr. Va pisser quand c'est ton tour. Putain d'égoïste, le mec. Dès que c'est à moi, je vais pisser, ok? Du vent. Ouais, de toute façon, il faut que je me place hein, de toute manière. Donc. Exactement. Mais après, t'as tes ultis et tout, hein, si jamais. C'était pas les utiliser. Oh, regarde ça, tu vois? J'aurais peut-être pas du double backspin en vrai. Bon, moi je vais pisser, les gars. J'espère que c'est pas vrai. Bah, super. Sur le green. Il est vraiment parti pisser? Attends, il est parti, ponce. N'hésitez pas à aller voir nos chaînes, hein, Onutré mais Justin, bien sûr. Ah oui, il en profite, d'accord. Je suis diabolique. Ok. Voilà. Attends, mais t'es vraiment parti, du coup, t'es revenu en vitesse. Ah non, je suis pas parti du tout, c'était un troll. J'ai pas tiré assez fort, du coup, je me suis précipité dans ma vanne. Attends, t'as ulti. What? Oh, je t'ai rapproché du trou. Je t'ai cassé. Je t'ai mis dedans! Non. Ah non. Mais non, par contre, c'est de la merde mon ulti, pourquoi j'ai pas tiré plus fort? En étoile, par contre. De quoi? T'as transformé nos balles en étoiles. Putain. Ça dégoûte. Non mais moi j'ai été nul, parce qu'en fait j'aurais pu le mettre. Tu peux pas dire ça. Un peu quand même. C'est trop fort. Ok. Ok. Pat de birdie. Bonjour à tous, Ponce étant jeune travailleur, cela fait bientôt de toi le collègue que j'ai le plus côtoyé. Ça donne le cas de beaucoup de personnes, cœur sur tout le monde. Merci pour ce message en avant, notre Nama. Bonnes vacances, merci beaucoup. Merci Vitzel aussi pour le 11e mois. Tu sais ce qu'il fait ton ult ou pas? Ah ouais, je sais. Merci à vous. Exactement ce qu'il fait mon ult. D'accord. Je sais exactement ce qu'il fait. En fait, il fait un largage de bombes. Je pense que là, tu dois tirer de toutes tes forces. Si tu veux espérer la mettre. Maintenant. Ah, l'ulti, vraiment, attention. Quoi? Tu l'ulti? C'est ça, le mec. Non, mais c'est, ça va... Oh, ça me touche, je crois. Ah non. Oh, chier. Oh, oh mec, t'as touché personne. Oh, le pétard mouillé, c'est fou. Oh, chier. Il est trop dur. Je suis quand même deg tout à l'heure de pas l'avoir mis ou de pas l'avoir mis plus proche, quand même, j'avoue. Oh, fair play, c'est pour... Parce que je voyais que vous avez plus d'ulti, c'est fair play, complètement. Oh, tu me pousses dedans. Oh non, les gars, vous ratez ça, c'est tellement dommage pour vous. Oh, j'ai envie de pisser. Maintenant. C'est au tour d'un autre joueur. Non, non, c'est le même joueur. C'est le même joueur, là. Il y a écrit autre, donc si je sais pas, tu te dédoubles. Oh, il a l'air triste. Oh, le bogey, grosse merde. Hashtag vénère. Hashtag vénère. Hashtag hypertension. Hashtag ça. Hashtag caféine. Hashtag j'ai envie de dormir. En vrai, hashtag c'est gagné. Ça fait 11h que je suis en live. Je vais faire pipi en very speed, ok? Vas-y, vas-y, go. Hein. Okay. Fais-toi plaise. Merci beaucoup The Lemur pour le 30e mois, merci beaucoup. Allez, c'est parti. Et Mugu aussi pour l'année, je sais même pas si je te remercie. Si, je te remercie. Attention. Je sais plus. Merci Mugu. On peut essayer de passer par-dessus la statue. Si, à ah toi. Ouais hein. Non. Bah vas-y hein. J'arrive. Oui. Oui. Ah t'es à pas tout. Parti, ok. Il voulait voir le coup peut-être. Bon, le coup est pas fou. Bah le coup est plutôt... oui voilà. Très ordinaire comme coup finalement. Très très banal quoi finalement. Ça.
Bon, on est placé, voilà. Il y a un tuyau doré, si tu rentres dedans, tu gagnes la partie. Ah ! Voilà, c'est dit. Bon. Est-ce que j'aurais pas peut-être mieux fait d'aller pisser aussi ? Peut-être, hein, ouais. Tu penses ? Bah, parce que là, finalement, on est en train de spectate quelqu'un qui pisse, littéralement. Ouais. Ok. Ouais. En fait, le truc, c'est que j'ai vraiment envie de pisser aussi, quoi. Donc, je pense que c'était l'occasion rêvée. Pense, hein, faut y aller. Ouais, mais là, c'est un peu trop tard parce qu'il va revenir dans 20 secondes. Bah, de toute façon, en vrai, le temps qu'il revienne et qu'il fasse son coup. Et bah, voilà. Twitch.tv au Nutrem, hein, évidemment. Ouais, Twitch.tv, juste ce temps. Non, Twitch.tv/subs. Non, mais pas besoin de subs en vrai. Oh, faut qu'il joue. Vite. Re, c'est bon. Vite. Ah. On peut se faire déco, hein. On peut se faire déco. Oh, ça aurait pas été drôle, hein. Oh, let's go, j'ai eu peur. C'est bon, c'est joué. Nice, j'arrive pendant la pause. Oui, les pauses sont jamais très longues en vrai. C'est ok. Petit pipi au calme. Il a foutu quoi, Justin? Mais je crois qu'il est parti pisser aussi. Ah. Oh non. Bien. Un gameplay intéressant. Ça fait 8 heures que j'ai pas pissé. Non, t'es pas sérieux? Ah, c'est pas une blague. Hein. Tu bois de l'eau? Oui. Et tu mets où J'ai une capacité. Okay. C'est pas fou, mais c'est pratique. Enfin, ça peut être pratique dans certaines situations comme là. Okay. J'ai mangé et tout, tu vois, juste avant de manger et après derrière. Mais c'est important quand même de faire des petits pipis, non? Je sais pas, bah je le fais une fois quand j'ai envie et j'ai pas forcément envie. Ok. Allô. Oui. Allô. Je suis emmêlé. Pourquoi est-ce que tu backspin au premier coup? Non mais t'as raison, au premier coup je devrais topspin. Mais en fait j'ai peur de partir en couille si je topspin. En fait c'est ça, je trouve que c'est dangereux le topspin, en gros. Ça peut être dangereux, ça peut te faire gratter quelques mètres mais aussi te mettre dans le fond du gouffre. Bah c'est ça en fait. Donc okay, là je pense, putain, il faut qu'il topspin à fond, en vrai. Moi je pisse beaucoup, c'est vrai. Mais tu bois beaucoup aussi. Je bois énormément. Et en fait, je bois déjà... Déjà, j'ai ma tasse de café que je bois. Tout mon café que je bois, qui est... Le café, c'est ultra diurétique. Et ensuite, derrière, je bois, mais vraiment beaucoup d'eau. Hein. C'est-à-dire que là, depuis... Je pense que depuis le début du live, j'ai bu... peut-être... Ah non, ça va, en vrai. Peut-être un litre d'eau. Mais tu vois un verre Coca? Ouais. Coca, bah, un verre entier d'eau et à côté, un café. Je non. montre et mais j'ai mec, pas envie de pisser. C'est pas beaucoup, ça. Mais moi, mec, tu sais que des verres Coca entiers, là, je crois que c'est mon 4e ou 5e. Hein. Ouais, mais t'as été pissé combien de fois? C'était la 2e fois du live, je crois. Ah ouais? Un truc comme ça, je sais plus. Mais mec, quoi qu'il arrive, 40 centilitres d'eau en 12 heures, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Non. De toute façon, j'ai décidé de mourir, donc. Ok. L'enfer. Ok, nice. Ça fait plaisir de jouer avec toi, mon pote. Super. Ok. Ah. Après, c'est pas une mort trop chiante, quoi. C'est-à-dire que si je bois un verre d'eau... Bah, j'avoue que... Non, j'avoue mourir... Ouais, franchement. Vraiment, mec, ça a l'air top, effectivement. Ouais. Mort très, très lente. N'importe quoi. Merci, Weshden, tu coco, pour le 17e mois. Et merci, Daboy, pour le 7e mois. Jouer avant de mourir, s'il te plaît. Je peux jouer avant de mourir. Juste parce qu'on est dans la même game, c'est chiant, en vrai. Joue avant quand même, hein. Mourir, c'est pas grave, mais joue. C'est plaisir. Et merci beaucoup à toutes les fleurs qui me souhaitent bonnes vacances, puisque vous êtes plein à me souhaiter bonnes vacances. C'est très gentil. Merci beaucoup. Pense un truc. Ah. Merci beaucoup. Oula. Moi, vous savez que si je bois pas assez d'eau, moi j'ai mal à la tête. Hein. Ah ouais. Ouais. Bah, normal. Hein. Bah, c'est normalement, ouais. Après, bon, ça dépend des gens, mais moi, si. Mais après, moi, je remarque que je bois plus que les autres. Tu vois, par exemple, quand je suis avec des potes dehors ou quoi, je suis très rapidement en train de dire « ça vous dit pas d'acheter une bouteille d'eau ?» parce que j'ai vite soif, tu vois. Genre, la dernière fois, on était à la fête des loges avec des potes, notamment Rivultia, et genre, je crevais de soif. Je leur dis « mais vous avez pas soif ?»
Non, ça va. Bah, j'ai acheté une bouteille d'eau de 50 centilitres, je l'ai bu en une fois. Ah ouais? Je pétais de soif. Du coup, on en a racheté une après. Eux, ils ont bu en je sais pas combien de temps, tu vois. Ouais. Attention à la lave. Eh, hey, mais c'est à chier ça, qui c'est qu'a tiré? C'est Justin. Oh, c'est nul. Oh, c'est énorme! Imagine. Non, oh, mec, t'es un monstre. Et comme quoi... Sérieux, t'es à chier! Non, non, mais t'as raison. Je pense qu'on on sous-cote le... T'as raison, le top spin, en vrai. Le rocher et le top spin. Bah oui, attendez. Excusez-moi. Et gros bisous, Yakael. Bon courage pour ton retour au boulot. Et surtout, merci évidemment pour les 100 subgifts de tout à l'heure. C'est monstrueux. Merci beaucoup, Yakael. Merci. Merci. Je suis là. Avec les moyens du bord, quoi. Je suis là. Les moyens du bord, bien sûr. Vous êtes prêts? Le bord a les moyens. Vous êtes prêts? Vous savez que c'est sur ce... Vous savez que c'est sur ce coup que je vous rattrape? Genre sur ce coup tu vas mettre moins 3 directement? Je n'ai jamais autant observé. Vas-y, je coupe pas mal vie. Ready? Go. Steady? Go. It's fucking go, dude. Hop. C'est pas mal. En vrai c'est pas mal. Oh, la caméra qui te fait croire que... Oh, la caméra qui te... J'y vais pas. Close, hein. Je pense que oui, hein. Joli coup. Oh. Ouais, non. Non, 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 non. Oh, pas mal. Pas mal. Pas mal. That's cute. Et j'aurai un green horrible. Allez, Justin, tu peux le faire, bien sûr. Oh, je le ferai pas, là, hein. C'est qu'en plus, l'eau, au-delà de la déshydratation, si tu bois pas, l'eau, ça te permet de te mettre bien sur bien des points. Hein. Genre, enfin, je veux dire, ça carie tout ton corps, H24, en fait, l'eau, en vrai. Bah oui, bah, c'est grâce à ça que tu vis, finalement. Non, mais genre, c'est fort, quoi. Enfin, je sais pas, oui. Pas comment dire. Tu sais, c'est comme quand t'es malade, on te dit, mais bois beaucoup d'eau. T'es... Enfin, tout le temps, en fait, genre, on boit de l'eau, quoi. L'eau, c'est littéralement ce qu'il y a en majorité dans tes cellules. Il faut en boire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais là, moi, je bois un peu moins que d'habitude, mais pas grand chose. La discussion me fume, on est vraiment en train de dire non, vraiment, l'eau, c'est. C'est insane. En vrai, c'est sous-côté de fou, je pense. On parle pas assez, mais. Mais t'as raison. Non, non, mais. Il y a des gens qui aiment pas l'eau. Ouais, je sais, mais ça, c'est horrible, hein. Ouais. Du coup, ils boivent du coca. Bah, non, mais surtout quand tu sais que l'eau, quand t'aimes ça. Enfin, moi, l'eau, je trouve ça bon, mais genre vraiment, genre. De l'eau fraîche, là, quand t'as mangé un truc. Moi, pas fraîche, mais de l'eau. Genre, l'eau fraîche au réveil, c'est un régal. Hein. L'eau au réveil. Oh, oui, c'est vrai. Après, c'est dangereux de boire beaucoup trop d'eau par jour. Après, il y a boire de l'eau et boire beaucoup d'eau. Il y a des quoi pour en boire beaucoup. Hein. Honnêtement, boire oui, c'est ça, parce que je crois que ça commence, l'eau commence à être dangereuse au-delà de genre 7-8 litres dans la journée. Enfin, c'est des chiffres. Attends, c'est quoi surhydratation? Parce qu'il y a des gens qui meurent de ça, notamment les gens. Il y a des gens qui prennent des ecstasy ou MDMA ou ce genre de choses et ça fait consommer beaucoup d'eau. Et il y a des gens qui décèdent de surhydratation. Parce qu'ils boivent trop de... La... Non, potomanie, c'est une maladie. L'hyponamétrie. Parce que la potomanie, c'est une maladie. C'est que tu bois beaucoup, là, c'est ça? Il y a l'hyponatrémie. Voilà. Et il y a... Coma hydraulique. Mais c'est ça, hein. Vraiment, hein. Pas sûr que ce soit l'eau qui te tue quand tu prends trop de para ou d'exta, non. Non, effectivement. Mais il y a vraiment des gens qui sont déjà morts de surhydratation à cause de ça, quoi. Mais c'est, effectivement, c'est pas le problème, quoi. Tu l'as fait rasante. Ouais. C'est pas mal, hein, ça permet de gagner un peu de mètres. Je suis bien, là. Hop. Non, mais c'est propre, rien à dire, honnêtement, à part que c'est insane. Tandis que Justin... Non, il y a un mur, Justin. Justement, si, c'est la majorité des cas. Non. Tu vas tout droit et tu mets de l'effet, et en vrai, c'est une masterclass. Ah bah ouais, hein. En vrai, je pense qu'il y a infiniment plus qui meurt de déshydratation que de surhydratation. C'est sûr, même. Bien mais sûr. De déshydratation, parce que c'est dans des pays pauvres, avec l'accès au potable qui est difficile. Oh. 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 Oh, c'est de la merde. Ah, c'est pas... Oh. Oh, le top spin exceptionnel. Non, en vrai, c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal. Mais mec, t'es dans une fosse naturelle, c'est-à-dire que ton prochain coup est immonde. Non, 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 je suis sur du plat.
Non mec, c'est nul. Non non non, tu veux... non mais c'est et oh et j'ai pas de partie. Oh eh, hey, les nouveaux sons de mal. Au Nutrem. Oh, pardon. Excuse-moi. Pas de soucis, pas de soucis. Oui oui oui. C'était ça mon perso. En fait, quand tu t'hydrates trop, tu dilues trop tes minéraux, donc c'est pas l'eau qui tue, mais c'est la conséquence. Oui, bien sûr, c'est le fait aussi baisser ton taux de sel, toutes ces choses-là qui baissent, effectivement. Complètement. Complètement. Complètement, complètement. Ah, ça part tellement à droite. Et pourtant, j'aimais bien à gauche. Je sais pas, moi je sais que je bois entre 2 et 3 litres d'eau par jour. Et je pense que c'est bien. Et plus tard, je me dirai merci. Mais faut pas plus, quoi. Mmh, ouais, oh, je pense 4 litres, c'est ok. Je pense que 4 litres tous les jours, c'est pas ok. Ah ouais? Ouais, parce que tes reins, ils travaillent trop et c'est pas ouf, quoi. Je pense que 3 litres max... Ouais, t'as peut-être raison. Je sais pas. Peut-être pour ça que tu vas souvent uriner. Ouais, mais il y a aussi le café, hein. Ah, j'avoue que le café, c'est peut-être pas forcément bon d'en prendre trop, pour le coup. Café, de base, c'est pas ouf pour la santé, quoi. Un par jour et c'est un petit, quoi. C'est un petit allongé. En vrai, un expresso ou un allongé, c'est pareil en termes de caféine, hein. Oui, oui. Non mais le café c'est pas mauvais pour la santé, au contraire, hein. C'est juste que comme un peu tout, l'excès de café est mauvais, mais oui. Mais en soi, ouais, le café parce que j'ai travaillé dans des boîtes de dev et ça tourne au café et oh là là, c'est café toutes les heures, hein. Ah non non, mais l'excès comme tous les excès, l'excès de café est vraiment même vraiment très mauvais, tu vois. Mais en soi, le café c'est même plutôt bon si t'en bois un de temps à autre, tu vois. Bon pour la santé, j'irai pas jusque là en vrai. Je 3 par jour, c'est déjà bien. Je pense que t'en prends plus, non? Moi, moi en fait, c'est difficile à dire, c'est une cafetière. Mais par contre, je te jure qu'il y a des études qui prouvent que le café est bon pour la santé. C'est-à-dire que, ouais. C'est-à-dire que le café est. Oh, dommage! Oh! Putain. J'y ai tellement cru. Non mais okay. Le joueur mat. Parce que le café, ça fait circuler le sang, ça permet pas mal de trucs comme ça, tu vois, par exemple. Ah ouais? Ben... J'ai vu pas mal de trucs qui disaient ça, ouais. Mais c'était pas... Addictif, le café. Ouais. Enfin, ça crée de l'accoutumance. Ouais. Ben moi, je suis complètement accoutumé à ça, tu vois, par exemple. Je sais pas, le café c'est quand même des graines torréfiées, donc les trucs torréfiés c'est quand même... Je crois que c'est pas mal cancérigène en plus, non? Mmh. Oh non! C'est un peu rapide. Moi j'en sais rien. Dommage. En vrai un putter, non? Accoutumé à l'addiction. Mais parce qu'en fait, il faut pas appeler n'importe quoi addiction. L'accoutumance, c'est quand tu prends des choses régulièrement et en fait, bah, du coup, il t'en faut plus pour ressentir les effets ou pour être content. L'addiction, c'est le fait de prendre quelque chose en sachant pertinemment que c'est mauvais. C'est pas pareil. L'addiction, c'est vraiment la définition d'addiction, c'est consommer quelque chose en sachant que c'est mauvais pour toi et continuer quand même à le consommer. Ça, c'est l'addiction. L'accoutumance, c'est le fait d'avoir habitué son corps ou son esprit ou quoi à quelque chose. Et donc, du coup, d'avoir besoin de plus, t'es accoutumé à ça, tu vois. T'as l'habitude. Et l'accoutumance, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, quoi. Non, ça dépend. Oui. En gros, l'accoutumance, il y a une notion de manque. Par exemple, l'accoutumance au café, moi, je suis pas addict au café, mais par contre, je suis accoutumé. C'est-à-dire que, par exemple, si je bois pas de café, parfois, je vais avoir mal à la tête. Tu vois, ça, c'est de l'accoutumance. Mais par contre. Ah ouais, le café, carrément? De quoi? Le café, genre tu bois pas de café, tu as mal à la tête. Ouais. Ouais, mais c'est connu. C'est connu ça. Si tu remplaces le café par de l'eau, ça change rien? Non, ça change rien. Non, ça change rien. Mais c'est connu ça. Hein. D'accord. Non, mais ça c'est assez connu, ouais. Mais même le café enlève les mal de tête. Ouais. Par exemple. Bon, le café, ça me met dans un état pas possible. C'est-à-dire, t'es très énervé? Bah, même pas. Genre, juste palpitations, j'ai envie de chier, j'ai mal au ventre. C'est le vaccin, quoi. C'est... Mais mot de tête, oui, pardon, j'ai dit mal de tête, excusez-moi. C'est... Le café, ça me fait plus de mal que de bien, quoi, même si j'adore ça, quoi. Mais tu vois, par exemple, le café, moi, des fois, j'aimerais bien ne pas en boire, mais sauf que vu que j'ai mal à la tête, je me dis, bon, bah, fais chier, tu vois, je suis obligé d'en boire. Mais du coup, c'est pas de l'addiction, parce que j'en bois pas en me disant, oula, t'en as déjà bu et t'en rebois, ça craint et tout. Ça m'arrive jamais, tu vois ce que je veux dire? Elle est là, la différence. Faut passer par une case sevrage avant pour te dire que, bon, ok.
Bah, en gros, l'addiction, ça va être... par exemple, si tu es addict au cannabis, ça va être « Putain, je devrais pas fumer là, mais j'ai trop envie de fumer, vas-y, bah je fume. » Et en fait, t'as fumé, et après t'es foncedé, et t'es en mode « Putain, j'aurais jamais dû fumer, quoi, mais j'avais trop envie, du coup je l'ai fait, voilà. » Enfin, ouais. Ça, c'est de l'addiction. L'accoutumance, ça va être « Putain, fais chier, j'ai mal à la tête, je suis obligé de boire un café pour plus avoir mal à la tête, tu vois. » Ça, c'est de l'accoutumance. Ça, tu vois ce que je veux dire. Totalement. Exactement ce que tu veux dire. Voilà. Oh. Ouh. Non, pour la gueule de bois, ce qu'il faut, c'est boire un verre d'eau pour un verre d'alcool. Ça, ça marche tellement bien. Oui, ça, c'est masterclass, ouais. Ça, c'est absolument masterclass, ouais. Ouais. Moi, j'essaye de le faire dans des endroits où je sais que je vais un peu plus boire que d'hab ou quoi. Je sais que il y a des verres d'eau qui se calent un peu partout dans la soirée, tu vois. Ouais. Le soir même, hein, bien sûr, le soir même, ouais. Ah oui, en même temps. Hein. D'ailleurs, où c'est même prévu de base. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une heure où c'est que de l'eau. Ils vendent plus d'alcool et j'ai déjà eu ça. J'ai mis trop d'effets. J'ai mis trop d'effets. Il y a un bar, bien sûr, à payer. Alors oui, j'en sais trop. On va pas mal. Non, arrête-toi là. Stop. Semi-raf. Ok. Semi-raf. C'est un peu triste d'obliger l'eau. Ah oui et non quand même. Hein. Ah, moi, triste d'obliger l'eau, comment ça? J'ai déjà été à une soirée où... même plusieurs. Où ça obligeait l'autre, c'est t'avais des horaires alcool et des horaires eau. Bah c'est... En vrai, moi je trouve ça cool en vrai. Bah ouais. Je vais me le prendre dans la gueule. Ah, il part. Merci bro. Moi je pense que obliger l'eau, c'est pas aussi triste que de... Que de se dire que t'es obligé de te mettre des grosses races pour prendre du plaisir en soirée, quoi. Non, obliger l'eau, ça me choque pas en vrai. Enfin... Après, obliger l'eau, ça dépend ce que t'appelles obligé. C'est-à-dire que... Je peux pas boire pendant une heure aussi, hein, y a pas de... Ah, mais... C'est s'il y a des gens qui arrivent avec une bouteille d'eau qui disent « Tu bois !» Non, « Tu bois !» Bon, oui, c'est sympa. Obligé l'eau, c'est juste que tu ne peux pas boire de l'alcool pendant une heure, quoi. Voilà, c'est ça, ce qui... Tu peux pendant une heure. Oui, ça, c'est pas mal. On va mettre de côté. C'est juste histoire d'aider à réguler un peu. Ouais. Perso, je suis la personne qui apporte des verres d'eau. Alors moi aussi, j'ai été longtemps auprès de mes potes dans les festivals, les soirées, la personne qui rapporte les verres d'eau, qui dit au... Enfin, tu vois, qui arrive avec la bouteille d'eau auprès de son pote, qui dit « Vas-y, bois un peu, mec, ça va te faire du bien et tout. » C'est pareil, je suis exactement cette personne-là en soirée. Et l'eau, c'est trop bien en même temps. Je ne peux plus ne pas boire d'eau. Cristalline. Alors je ne peux plus. Putain, t'as mis le brouillard, t'es chiant, mec. Je suis... Ouais. Voilà. Parce que là, attends. 37, donc en fait, le truc, je pense qu'il est genre à... doit être à une dizaine à peu près. Dizaine. Un peu plus haut. Mec, si j'arrive à le mettre... Par contre, si j'arrive vraiment à le mettre, c'est masterclass. Parce que là, c'est un chip... monumental. Oh. Oh dommage. Oh. Alors peut-être. Du coup, tu vois le trait quand tu putes? Non, même pas. Le trait quand tu putes. Non, tu vois rien, mec. Ah, c'est trop. Tu vois juste la grille et le truc vert. Ouais, c'est super. Voilà. C'est tout. Merci, manette de Play, pour ton 8e mois. Merci, Milo the Forest, pour le 6e mois d'abonnement. Daboy, pour le 7e mois, encore une fois. Merci beaucoup. Ok. Oh, c'est chiant. Lolo. Je pense que là, je le mets, hein. Oui. 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 Du coup... Oh, mec. Il voit même pas le drapeau. Quel crack. Il le met. Let's go. Quel monstre. Et du coup, il passe devant. Et c'est mérité. Brrr. Merci. Là. Et moi, je suis toujours bien derrière. Et je ne sais pas si j'arriverai à vous rattraper, monsieur, dame. Après, il reste pas mal de trous, hein. Ouais, il en reste 6, quoi, mais bon... Bon, j'avoue que le tour par tour sur ce terrain-là, c'est un peu lent. Ah oui, ça fait des games bien longues. Après, ça va, on discute, on est chill, hein. Oui, on discute de café, d'alcool, de drogue. Chill, hein. D'alcool, de café et d'eau. C'est quoi, c'est une bombe au milieu, là? Putain. Ah, ouais, mais tout à l'heure, les bombes, je les ai touchées, il s'est rien passé, donc... Et est-ce que les chombes gênent? Je pense pas, donc... Oh, le clutch. Avec un effet t'es... Non mais là tu vas toucher le haut de la tour. Il y a du vent, hein.
Ou alors je fais ça. Oh attends, je vais faire un truc. Je tente. Je suis là pour faire du beau jeu. Viens, je t'observe. Ah, c'est pas des bombes, c'est des yinches. Okay. Des yinches, des chomps. Okay. Ah, mais en plus, j'étais tout à gauche. Ah non. Ah si. Oh, oh non, le chomps. Oh, gloops. Attends, il mange ou pas, vous pensez? Non, je pense pas. Je pense qu'il juste il dort, en fait. Ouais, si... Est-ce que tu crois qu'il va te virer? Non, il dort. Non, il rompiche gameplay de la part du chomps. Comme moi. Petite musique. Ah ouais, oh, moi j'ai une petite musique, mais c'est Super Mario Galaxy 2. Ah ouais? Et bah moi, figure-toi que c'est du type Stevens. Propre? Ouais. Encourage les artistes locaux? Ouais, bien sûr. Puis ça va. C'est pas assez fort. Oh non! Après, ce sera du Muse, hein, mais. Oh, Wrath! Ouais, j'ai tiré un poil pas assez fort, mais ma balle était belle. Je suis un peu dag. Oh, jure! Oh! Ah, donc ça se réveille au début de chaque tour. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette Ah. Après, il m'a pas compté le coup quand même, mais ça me saoule un peu. Ok. Pas trop, hein. Ah, mais ça courbe. Oh là là. Le coup est affreux. Quoi? Mais t'aurais pu tirer plus à droite, non? Non, non. Bah, si. Que si. Largement. Attends, mais je pensais pas que ça se décalait autant. Mais après, ah bah, vu la courbe... Regarde, hein. Franchement... Oui, non, c'est pas immonde, mais c'est vrai que plus à droite, je pense, ça aurait été pas mal. Mais oui, c'est pas mal. Enfin, t'es sur le green, bruh. Waouh. Ça, c'est déjà pas mal, en fait. Regarde, genre là, regarde ça. Très incurvé, on est d'accord. Très, très incurvé, hein. Julien. Non. Échappe dit référence. Ok, je me mets là. Je me place ici. C'est très incurvé. Je prends tes tips et je regarde. Et regarde, là, il va falloir tirer quand même assez fort. Donc, je fais ça plutôt. Voilà, hop. Je prends le H5. Le H5, pourquoi particulièrement le H5? Parce qu'en gros, bah, regarde. En gros, bah, le F6, j'ai la zone de random qui est un peu plus grande que le H5. Qui peut me permettre de tirer plus loin. Après, c'est vrai que je pourrais partir sur un... Non, le H5 est bien, je pense. Allez. Et là, normalement, si je tire... C'est plus haut, donc un poil plus fort. Il y a le vent contre, donc un poil plus fort et bien à droite comme ça. Normalement, ça le fait. C'est un peu fort. C'est un poil fort. C'est un peu fort. Oh là là, ouf. C'est un peu fort, mais la trage, c'est même... Ouais, un centimètre trop fort, mais la trage est bonne, tu vois. La trage est ok, je pense. Ah, je suis deg d'avoir tiré un peu trop fort. C'est le tour d'un autre joueur. En vrai, je suis bien, là. Celui qui est en tête, d'ailleurs. Et du vent... Tiens, un petit peu plus fort, donc je vais peut-être prendre ça. Oh, en vrai, je prends ça, hop. Comme ça, j'esquive le... Tu veux ski? Je veux ski le drift du haut de la barre. Toi, tu veux taper le mât et le mettre direct. Tac. Tac. Je pense c'est bien. Ça penche à gauche. Je me suis quand même mangé un... Et non, c'était pas vrai. Pourquoi c'est allé autant à gauche? Quoi? Pourquoi c'est allé autant à gauche? Parce que mon perso, il est chiant. Oui, okay. Du coup, quand je frappe fort, il peut soit décaler à gauche, soit à droite. Mais il tape très très loin, donc il a genre 210 mètres, un truc comme ça. 200. Alors que nous, on est à 190. Un truc comme ça, ouais. Ouais. Là, c'est bon. En temps normal, c'est pre-win son personnage. Non, pas du tout, c'est faux. Par contre, je le répète, mais je trouve ça trop cool, les petites sessions Mario Golf à chaque fois. C'est trop chill et tout. J'aime bien, vraiment. Trop bien. J'espère et j'ai hâte qu'ils sortent de nouvelles maps. J'espère et j'ai hâte. Ah, je sais pas quand est-ce que ce sera la prochaine mage, mais écoute... Putain, mais pourquoi je fais ça? Oh. Oh non. La la la. De birdie. Allez, c'est ta FCF Ponce qui en est à son troisième coup. Très très loin en vrai, c'est... Non, en vrai, oh, ton putter, il est pas dur. Ah bon? Quoi, il est à chier. Mec, il est en full descente, ça va vers la gauche. Le putter, il est à chier. Donc en gros, faut que je tire pas très fort et un peu à droite. Et bien à droite même. Bah, pas tant que ça, hein, parce que regarde, mets-toi en face. Remets-toi en face, tu verras qu'il y a pas tant de barres qui descendent. Hein. Regarde. Donc faut que tu décales un tout petit peu à droite, mais pas grand-chose. Hein.
Comme tu veux. C'est bien rouge quand même, hein. Alors rouge, c'est juste que c'est une descente. Mais... ça veut juste dire qu'il doit tirer pas trop fort non plus. C'est peut-être un peu fort. Pas assez, non? Regarde ça. Ah, tout trop, hein. Dommage. Trop fort. Toi, tu voulais vraiment aller à droite, à la base. Ben... Ouais, mais en fait, j'aurais dû tirer moins fort, surtout. Je sais pas. Bah, regardez ce que j'ai, moi. Petite différence de difficulté. Ouais, c'est chaud, en vrai. Oh, la vache. Alors, peut-être... Ouais. De toute façon, c'est pas l'addiction le problème. Si t'es accro à la lecture, c'est bien, non? Mais c'est la dangerosité du produit d'en faire des excès. Et bah, tu sais quoi, je suis pas sûr de ça. Parce que j'ai rencontré un. On en parlait, je sais plus quand. Je sais même plus si c'était en live d'ailleurs. Mais on parlait avec un père de famille qui disait que son enfant était complètement addict à la lecture. C'est-à-dire que vraiment, son enfant se cachait dans les bouquins en permanence, faisait que lire tout le temps, etc. Et se sentait mal si la personne n'était pas en train de lire et tout. Et du coup, ben, en fait, sa fille était. Complètement renfermée sur elle-même, elle avait peur des autres et elle ne préférait que lire. Donc, bah ouais. Tu vois, en réalité, je pense que tout, même des bonnes choses, tant... à partir du moment où c'est en excès, je pense que c'est pas bon, tu vois. Bon, je dis ça alors que j'ai joué 25 000 heures à WoW en 8 ans de ma vie, mais je pense que, tu vois... Pour autant. De quoi ? Ça t'a pas rendu insociable pour autant ? Non, mais ça m'a fait rater pas mal d'examens ou conneries, tu vois ce que je veux dire. Ouais, quand même. Ça. Ah, puis WoW, c'est pas une activité où tu t'isoles non plus, tu vois, tu joues avec des gens. Oui, je joue avec des gens, mais oui. Quand tu lis, t'es avec toi-même. C'est ça. Mais en fait, je pense que tout excès, c'est mauvais par définition, tu vois. Je pense, tu vois, que ça soit... Tu veux lire le petit temps des tempêtes, là. Les addictions viennent souvent avec une isolation sociale et un manquement des éléments de vie de base. Ouais, des gens ils sont addicts à des trucs alors qu'ils sortent beaucoup, des choses, hein. Bah par exemple moi j'étais vraiment addict au cannabis ou même à la nicotine, tu vois, et j'étais pas si isolé socialement, même si le cannabis quand même ça permettait de faire passer le temps seul, donc en un sens un peu, tu vois. Attention. Donc après on fait attention, hein, on fait de la psychologie de comptoir, hein, précise, hein. On comprend bien. Bien sûr. C'est pour ça que je ne lis pas, au moins on est sûr. Ouais, mais tu fais bien, on sait jamais si tu tombes dedans en vrai. Vaut mieux pas lire, attends. Je crains. Faut m'éviter, ouais. C'est vraiment un bon choix en vrai. Ouais, bah oui, c'est worse en vrai. Hein. Oui. Bon anniversaire en retard. Putain, j'en peux plus. C'est pareil que le dernier que t'as mis. Allez, avec un peu de chance. Putain! Attends, mais il y a un trou. Non, ça va en vrai. Ça se décale, mais je pense. Non, mais ça va, ça, ouais, ça va. Ça elle va, est parfaite cette balle. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est à moi de jouer. Ok, Dak. Comme disait. C'était Paraclès qui disait tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Ouais, mais c'est ça, mais c'est connu, hein, ce truc. Mais... J'ai pas la culture nécessaire pour confirmer. C'est assez connu. Héraclès ? En vrai, si tu prends un tout petit peu de... Non, c'est Lancieur dans mon chat qui a dit Paracels, mais je crois que t'as oublié une... Ah non, c'est vraiment Paracels, Paracels. Paraclès ? Bah, c'est pour ça que j'ai dit Paraclès. Paracels ? Paracels, ok. Ok. Après, le des poisons... Il a pas un nom, parce que des fois, je sais qu'il y a des gens comme ça... Pour des gens de... d'une époque lointaine, ils ont des noms différents suivant la langue. Il a pas un autre nom ? Non, ça doit être ça. Ok. Oh, attends, tu tapes ? Oh, oh non. Okay. Oh, ça fait je sais pas pourquoi je suis allé vers en haut. Hein. C'est une connerie, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En vrai, ouais, t'es... pas si dégueulasse. Hein. T'es sur le fairway. Non, voilà. C'est bien ça, son nom. Ouais. Ok. Wouah, je suis très très chaud pour mettre ça. Si je mets là maintenant, je vous rattrape. Ah, pas sûr, mais vas-y. Non, mais ce sera le début. Ce sera le début. C'est le début du bonheur, hein. Fleur à Michon. Le goût des choses simples. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, elle est un peu forte, sérieux ? Hop. Oh, non. 3 à droite, ouais, 3 à droite, ouais. 3 à droite et trop fort. Putain, je pensais avoir tiré pas très fort. Je suis dégueu.
I'm so fucking mad. Ah, il y a Justin. Justin a disparu du Discord. Ah, il a finalement crash. Ah oui, tu sais, il avait dit qu'il avait un problème. Il avait plus de place sur son PC et qu'il avait vidé sa corbeille. Mais apparemment, ça n'a pas marché. Oh non, il a cliqué sur le message d'erreur. Oh, l'erreur. Ah non, il aurait pas dû. L'erreur. Oh, l'erreur monumentale. Merci, Kingston, pour le sixième mois. Fratello, merci pour le 19e mois aussi. Ça après, va très bien. Que ça l'empêche vraiment de jouer. Enfin, Sakit, merci aussi pour le 8e mois. Merci beaucoup. On a perdu un mate. Genre perdu, perdu. Tu penses que là il peut plus rien faire? Ah, si, il peut jouer, regarde. Ah, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font? On l'entend plus. Son live va pas crash, ok. Bon, c'est déjà ça. Attends, c'est juste Discord qui a fermé? Bah, et ça se relance, non? Ah. On va voir. On a perdu un soldat au combat, bah un peu. On est sur une descente, hein. Une descente de type pur et dur. C'est trop marrant comment il tient son club, quand même. Ouais, j'avoue, il se la pète un peu trop, non? Chaque fois, c'est improbable. Allô? Allô? Justin? On entend la suite, je crois. Faut modifier le... Oui, alors, il s'est mute, mais en fait, il faut modifier le... C'est énorme quand ça arrive. Oui. C'est le son du jeu, là. Oh là. Il est bien, là. Allô? Allô? Oh? Oui, Justin? C'est mieux? Ah oui, ça a l'air mieux, oui. Ok, ok. Non, bah, c'est la suite du message d'erreur de tout à l'heure, quoi. D'accord. Oui, c'est la déco, quoi. Oui, bah, c'est le Discord qui est un peu merdique, quoi. Hop, hop. Je baisse un peu ton son, je sais pas pourquoi il a monté. C'est pas grave. Bah, parce que du coup, ça a réuni tous mes paramètres, je crois. C'est vrai que t'es fort maintenant. Ah ouais, ouais, ton son a vraiment monté. Mais c'est pas désagréable, t'as une belle voix. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bah, du coup. Mon coup est à chier là. Non, oh, t'aurais pu prendre ton temps, t'inquiète. Attends, on joue. On est chill quoi. On joue Pépouze Binous, tu connais les bails. Quoi? Allô? Tu connais les bails sombres, frère. Tu connais les bails. Ça me paraît complexe, quoique si je tire fort, en vrai, un petit peu à droite comme ça et c'est bon. Tu connais les bails sombres, frère. Oh, les belles. Oh, les moches. Oh, les moches, mec. Ah. Ah. Les bails sombres. Tu as testé 12 minutes. Ouais, ouais, sans pensant, je vais faire le jeu, mais. Mais là, je vais partir en vrai. Ah ouais, je pense que c'est depuis le temps qu'on entend parler. Oui, je pense qu'il est vraiment top. Il est sorti là, non? Il est sorti là, il vient de sortir. Là, il y a quelques minutes. Ouais. Hmm. C'est bien, il y a pas mal de sorties quand même pour un mois d'août. Bah ouais, c'est cool, hein. Oh non. Oh non, Bébou. Mais je pense que les développeurs indés, ils ont tellement raison de sortir les jeux au mois d'août parce que sortir en même temps qu'un gros jeu, c'est peut-être pas la meilleure idée. Bah ouais. Bah y'a rien à bon que là, mon cher Ponce, malheureusement. T'as vu le tuyau doré derrière toi? C'est mal me connaître. Regarde Ponce, retourne-toi, y'a un tuyau doré. Où ça? Regarde. Tu vois? Quoi? Tu mets la balle dedans. Non. C'est vrai ça? Non. Bah je sais pas ce que ça fait, mais je pense que c'est pas là pour rien. Ah ouais? Non mais je pense pas hein, ce serait trop facile sinon. Je sais pas quoi, il est doré hein. Mec, attends. T'as plus 2 donc vas-y, hein, go. Ouais, ok, c'est super. Super, super. Attends, tu veux vraiment la tenter? Tu penses que tu peux gagner la game encore? De toute façon, c'est comme la boule noire au billard hein. Si tu la mets, peut-être ça fait genre moins 10. Donc peut-être que tu perds toute la partie. Ou juste t'as perdu. Ou okay. Tu téléportes dans une autre map. De toute façon, en vrai, si tu la mets, déjà, c'est une belle perf. Quoi qu'il arrive. Ah oui. Mais non, mais il y a trop d'incertitudes, c'est pas possible. Ouais, non, mais c'est impossible. Après, tu fais comme tu veux. Vous savez ce que je vais faire? La montagne, et pourtant. On dirait aller direct. Ah, c'est pas con ça. Regardez bien cette. Mais non, mais l'angle est immonde. Ouais. Après... Quoique. Oh, je sais pas. Oh, ça va driver la montagne. Ouf. En vrai, tu bruines, ça passe. Hein. Et ça va courber de fou à droite. Attends, il y a un autre bon. Pénalité. Dommage. Dommage. Ah, oh, il fallait la tenter. Je suis pas du tout deck. Putain. Ok. Oh
Bah là par contre si je la mets, qu'est-ce qui se passe si je la mets en vrai? Tu veux des subs? Bon bah écoute Tu veux des subs? Tu veux des subs? Tu veux la thune? Tu veux la thune le sang? Tranquille la thune, tu veux de la thune? Je pense que je veux dire, tu veux la thune frère. En vrai tu la mets 5 subs. Ouais pareil. Ah dommage, dommage. Le tuyau se sentait beaucoup plus. En fait il... je pense que le tuyau était plus simple limite que la montagne. C'est quoi le cette merde reste. C'est encore à moi. Septième coup. Septième coup, non mais ça va aussi. Aïe aïe aïe. Mais ouais mais regardez non. Le beau jeu oui. Le beau jeu. T'as pris en compte le vent? Pas trop hein. Si mais pas assez. Ok. À moi de jouer. Non. Non. Merci beaucoup à Julien pour le prime et à Ricky Manson pour le 16ème. Merci beaucoup. Cuir moustache. Bonne vacances, Ponce. J'espère que tu vas te régaler. Tu le mérites pour tout le bonheur que tu nous offres au quotidien. Okay. Merci Julien pour ce message en avant, c'est gentil. Justin, toujours en tête. Ah, on essaye, hein. Juste on essaye. Bon, par contre, moi, forcément, je prends ma pression, mais on a rigolé. Hein. Oui, non, mais on a rigolé. Plus 4, c'est même pas double boule. Il a même pas de nom, le truc. Mais on a rigolé. On a rigolé. Enfin, j'ai bien rien, ouais. Bon, à partir de maintenant, c'est freestyle. C'est vrai. Ben. C'est vrai. Ma compétition est loose, c'est injouable. Après, tu peux toujours ulti Justin pour essayer de rattraper un peu et tout, mais enfin, bon, bref. Il y a quand même 10 points à rattraper, je crois. C'est juste Onu qui veut te rattraper, quoi. Ouais, je pense que c'est surtout ça. Hein. Exactement ça que j'ai dit, mais effectivement, l'un dans l'autre, ça se fait, quoi. Le dernier doit sub la différence avec le premier. Ah, si on l'avait dit avant, j'aurais été chaud, mais là... Là, c'était pas ça le deal de base, donc non. Ouais, le deal de base, c'est pas ça. Plus, je pense. Bon. Non, je vais y aller tranquillou. Hein, ouais. Et le concept est sympa. À faire une autre fois. Faire ça. Et ça. À chier. Non, c'est bon. Non, ouais, c'est bien. Non, c'est bien. Tuyau doré. Bon. J'ai jamais vu un coup aussi insane. Je vais te faire un petit tuyau doré, moi. C'est vrai. Tu vas te faire un petit golden tuyau. Un petit golden tuyau. On va jouer avant. Le tuyau. Le tuyau. Ah, il est là. Non, mais il fait rien, non, si. Je me dis que s'il est là... Le problème, c'est qu'en le ratant, ce qui va se passer, c'est qu'après, je serai comme une merde à côté, quoi. C'est vrai. C'est pas tout à fait faux, ce que tu dis, là. Apparemment, il fait rien. Ah ouais. En fait, je pense que le décor est tellement à chier et tellement plat que le moindre élément de décor comme le tuyau, ça paraît comme un truc important. Ah, on est d'accord. Mais en vrai, si tu te chauffes, ça se trouve, tu vas manger 10 points, tu vas nous rattraper et tu vas gagner. Hein. Moi, je pense qu'il va faire plus 10, mais après. Oh! Mais non. Attends. Ah, c'est dommage. Oh! Et close en vrai! En vrai, c'était close. C'était close. Tuyau. Oh merde! C'est un easter egg que personne n'a découvert. Ah, mais du coup, parce que là, du coup, on est d'accord que c'est de la merde. Genre. Bah, du coup, effectivement. Après, on est place après. Quand même. Un peu moins fort. Le putter! Non. Le ricochet sur la lave. Et ouais, du coup, t'as pas de drapeau, donc t'as pas d'indication. Ah, c'est chaud. C'est très chaud. Bah, c'est ça qui est difficile dans l'exercice, hein, j'imagine. Hein. Tu t'entraînes pour quand j'ulti? C'est brouillard. Hein. Oh. Non, passe. Non. Encore un autre essai. Donc un peu plus fort, on a dit. Mais avec sandwich. Genre une petite moitié, je pense, non? Ah. Ok. Oh, et plus sauter dedans. Ça aurait pu. Bon, un 60-65%. Ok. Attendez, on va le faire. Ça va finir par marcher, c'est sûr. Oui. Avec SW, je me mets ici et là, je fais un 37 pile en montant un peu. Ouais. Hop, regarde, tac. Ah ouais. Rebond. Ah, en montant un peu.
Oh ok. En non, fait. Oh, c'était close. Ouais. Ils en mettant plus fort, je pense. Plus fort, ouais, je pense. C'était une très bonne idée. Ok, donc SW et je pars sur. Ouais, voilà. Pour moi, c'est dedans. Ouais, non, je sais pas. Pas certain. Oh, oh, ça fait rien du tout. C'est nul à chier. C'est nul. Ben voilà. Ben, on saura, hein. On a testé pour vous. Ça me détruit. Yes. Yes, putain, yes, yes. Quel jeu de merde. Yes. C'est top. Ils auraient vraiment pu faire un historique. Ouais, franchement, ils auraient pu faire un truc quand même. C'est un tuyau en or, bordel. C'est un tuyau en or. Ils vont pas me dire que c'est un élément de décor normal de Bowser, quoi. C'est un tuyau en or. Ce coup est pas mal. Non, mais il a chier. C'est une catastrophe. Oh là là, ça me fume. Merci Quentin pour ton 8e mois d'abonnement et Capitaine Truit pour le 42e mois. Merci beaucoup. On va partir sur un... quelque chose de très très banal en soi comme tir. Il y avait un petit truc quand même. Basique. Basique. Je bourrine comme un gros. Merci le chaman. Après, voilà. Surprise, coucou, salut. J'ai topspin, non pas... Simple. Basique. Oui. Non mais il est bien. C'est bon. Bon, ça va. Ça va, ça va. Merci Perzival. Et c'est à moi de jouer. Les tuyaux, c'est simplement pour passer d'une map à une autre. Dans l'idée, vos persos l'utilisent, mais on le voit pas, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est pour le lore. C'est pour le lore. Mais tu te rends compte quand même qu'avec un univers comme Mario, sur un Mario Golf, ils auraient pu mettre des tuyaux, des plateformes. Ils auraient pu faire des trucs de fou, genre. T'es en train de me dire qu'ils auraient pu faire un jeu complet. Mec, ils auraient pu faire un truc de fou. Waouh. Un jeu où t'as une plateforme, le trou est dans la plateforme et la plateforme bouge. Mais oui, mais t'as des milliards de. Enfin, il y a des milliards de trucs à faire. Hein. Franchement, j'ai envie de te dire, Inch'Allah sur les prochaines maps. Hein. Inch'Allah. Une map comme ça, tu vois, ils auraient pu faire genre une map assez classique avec des blocs, tu sais, comme on peut voir dans les mini-jeux de Mario Galaxy et tout. Tu sais, juste des gros blocs. Une map comme ça, t'es dans le ciel sur des gros blocs et voilà. En vrai, même ça, ça passe. Oh, bien joué ça. Ouais, un peu fort. Les maps en DLC à 40$, ouais. Ah ouais. Non, non, ça va, là, ça va. Les DLC sont gratuits, heureusement. 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 Oui. Ça s'appelle Golf It. Bah ouais, mais c'est pas Nintendo, hein, malheureusement. C'est en montée, on est d'accord. Ah, c'est pas pareil, Golf It, il n'y a pas cette histoire de choisir son club, cette histoire de top spin, back spin. Ouais. C'est pas exactement pareil, il n'y a pas de vent, il n'y a pas. Golf It, si, tu tapes une balle dans un trou et c'est tout, il n'y a pas de strat, quoi. C'est. Oh! 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 Oh, 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 c'est bien joué, c'est bien joué. La texture zoomée, c'est. C'est beau. Objectivement, il est bien le jeu. Alors, c'est difficile de juger de manière objective quelque chose, en vrai. Par définition, c'est compliqué, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est qu'en fait, le jeu, il a plein de défauts et tout, il y a très peu de maps, il est concrètement assez moche, etc. Par contre, la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on joue dessus, on se régale entre potes, tu vois, c'est chill et tout, on discute, on joue. Enfin, c'est cool, tu vois. Oh, Justing. Onutrem. Justing. Onutrem. Justing. Onutrem. Aïe aïe aïe. On a l'impression que ça a pas d'impact, les clubs. Ah si si, ah, c'est parce que c'est pas toi qui joues, hein, que tu dis ça. Ça a un impact de fou, hein, les clubs. Un impact de ouf, ouais. Sur la hauteur, sur la puissance, sur la distance, sur. Ah si si. Ah si 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 si. Ah si. Unchippable. Est-ce que si je la mets, il y a un truc. Parce que voilà, il y a quand même chaud là. Là, si tu la mets, je t'offre 5 subs sur ta chaîne Twitch, tout à fait. Okay. Pareil. Tout pareil. Ouah, allez. Ça courbe et tout, hein. Oh la vache. Non, non, en vrai, ouais, il y a un vrai truc, hein, selon les clubs que tu prends et tout, vraiment. Vraiment, vraiment. Oh, non. 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 Oh, mec, t'es passé à ça, quoi. À ça, mec. Mec, ça dégoûte. Putain. Putain, ça dégoûte. Mec, en vrai, ça dégoûte, hein. Moi qui n'ai pas d'amis. Est-ce que t'es dégoûté au Nutrem? En expérience solo, le jeu n'est pas fou. Ouais, solo. Moi dégoûté. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti celle-là. Ça dépend. En solo, t'as les ranquettes quand même. Oh non, mec, je suis deg pour toi aussi. Ah. Oh. Wow. Ah, c'est arrêté net. Ok, d'accord. What a green. Ok, vous savez quoi? I'm the cheaper master. Vas-y. Mmh, ouais.
Antagonas. Pas mérité quand même. Je sais pas, mec. Bien joué, putain, j'ai cru que ça allait pas passer. Plus 9. Ah mais oui, mais c'est vrai, j'ai tenté de tuyau doré, bien sûr. Bon, c'est bien. Super. C'est génial. Ok. Sympa. Bon, sympathique, ce live, je ne regarde pas ma curiosité. Bah bienvenue. Effectivement, on passe plutôt un bon moment, effectivement. Bah. Merci. Effectivement, ouais, c'est un... Ce live multi était plutôt agréable. Hein. Il est 19h passé. Putain, par contre, on a vraiment abusé. Hein. On a abusé un peu sur le chocolat, ouais. L'heure de live de mon côté, on est à 11h45. Oh bah... Attention. T'es pas loin non plus. Commence-toi en ce moment. Bah dans 40 secondes, je suis à 10h, là, de live. Pas mal. Énorme. Énorme. J'aurais fait... Qu'est-ce qui se passe? J'aurais fait 19h de live en 2 jours, quoi. C'est bien. Pas mal, hein. C'est pas mal. C'est un travail. Ah, je fais mon quota, hein, de toute façon. Ah, mais du coup, moi, par rapport au quota, j'ai checké, là, bah, évidemment, je ne le ferai pas pour ce mois d'octobre. Bah non, c'est pas close, vu que je pars 10 jours en vacances, donc je dois faire 151 heures, et en gros, je serai à 112 heures. Ah non, c'est chaud, en vrai. Ouais. Et donc, du coup, mon chiffre d'affaires de Twitch sera divisé par 2, quoi, entre le mois de juillet et le mois d'août, quoi, ça... Ouais, censé. J'ai dit octobre ? Août, pardon, excusez-moi. J'ai dit octobre, mais ça va pas du tout, hein. C'est la deuxième dose, en vrai, vous pouvez pas comprendre. Enfin, c'est la deuxième dose. Je crois qu'on va en parler souvent de cette deuxième dose. Pas du tout, je vais super bien aujourd'hui. J'ai rien du tout. Moi, je pense que c'est les petits jus d'agrumes, là, parce que j'ai commandé une presseuse à agrumes électrique. Ok. Et du coup, ça fait 2 matins que je bois des jus d'agrumes. Et bizarrement, ça fait 2 matins que je fais des streams très très longs. Ah, ça te met, tu crois, dans un bon mood ? Peut-être le mood, ouais, parce que je pense que physiquement, ça ne sert à rien, mais... Si, je pense que ça fait... Dans un mood. Si, ça te met bien, mec. Ah ouais, tu penses que ça me met bien ? Bah ouais. Ah ouais ? Bah, en vrai... Mec, orange pamplemousse. Je pense que tu fais comme Gotha, tu laisses le stream tourner avec les viewers qui jouent à Pokémon. Le scandale. Mais t'imagines même les modérateurs en sang. Genre ta chaîne, elle est on. Toute la journée non-stop. Ouais, même la nuit et tout, waouh. Oh, si, je sais ce que je vais faire. C'est chiant, je sais, mais... Ouais. Oh, bah super. En vrai, pour 50 heures... Non, mais non. Go spam A. Non, mais c'est pas grave, écoutez. Je subis la baisse des prix, voilà, mon CA s'en va impacter de 50%. Tu vas réussir à manger à la fin du mois ou pas ? Pardon ? Tu vas réussir à manger à la fin du mois ? Ah, ça va être compliqué, mais bon, ce sera la faute à Jeff. Eh oui. Ah, t'as mis le brouillard, mec, putain. Eh oui. Ponce plus 15, non, c'est un bug d'affichage. Ah ouais, c'est un bug. Okay. C'est un jeu Nintendo, hein, de toute façon. Un jeu Kaamelott. L'enfer du brouillard, putain. Je dis ça, mais Kaamelott, ils ont quand même fait Mario Tennis, qui est un jeu plutôt sympa, donc bon. Putain, mais même les textures de Minecraft sur le sol, là, elles sont mieux définies, quoi. On est sur du Minecraft. Oh, c'est bien joué de ta part, honnêtement, pour ce que tu fais là. Franchement, c'est une belle vengeance et je comprends totalement. Est-ce que le vent, il compte ou pas ? Après, si tu fais ça, t'assures la game à Justin. Donc bon, après, c'est comme tu veux. Justin est déjà devant. Mais t'as mis du brouillard, mec, comment tu veux que je sois devant? Tu le vois dans le brouillard. T'assures rien du tout en faisant ça, Ponce. Il voit dans le brouillard, il va mettre la balle après. Il va la mettre directement après, là. Ah non, non mais non, je vais la dégager. Bah voilà, avec l'ulti. Oui, donc c'est décidé, c'est... Ok. Attends. Bon bah, ça choisit son camp. Minecraft, c'est exceptionnel. Oui, étoile, c'est super. Ah bah oui, c'est exceptionnel, Minecraft. Ouais. Voilà. Et en vrai, ma base. Et attends, brouillard, hein. Vous rendez compte ou pas? Attends, tu l'as mis ça? Bah non, mais je suis genre à 1 mètre. Ah putain, bien joué. Attends, mais je vois le drapeau. Pourquoi je vois le drapeau? Comment ça, tu le vois? Ah non, mais je le vois. Au loin. Ouais, de loin, mais bien sûr. Non, ça, c'est quoi, c'est pas le point. C'est sur la barre que tu le vois pas. En vrai, un Twitch Play Zelda 1. Ah, mais sur la barre, c'est pas grave ça. Ouais, mais comment on met ça en place? Je peux, après moi j'ai quelques connaissances en développement, enfin ça serait faisable. Ah oui,
Ouais, mais moi, je prends la voiture à 8h demain matin. Hein. Tard, là, oui. C'est un peu tard, effectivement. Ouais. Ah, tu peux pas dev ça. Ok, bon. Oh, mais ça se dev. Ok. Oui. Ça se dev même très, très bien. T'aurais quand même pu y penser avant, mec. Hein. Bah, je sais pas, après... Top spin un peu de trop quoi. Sur le green mais à 15 bornes du trou quoi. Du coup c'est un peu à chier. Donne le mot de passe de ta chaîne à ONU, il est de confiance. Ah, ça doit exister en fait une sorte de module OBS. En vrai no joke, quand je code le live là je vais regarder un peu voir ce qui existe. Mais il y a une chance sur 1 milliard que ça existe. Enfin que je le fasse quoi. C'est obligé parce qu'en fait j'ai déjà un truc, moi le matin je fais l'appel et en fait pour que les gens ils voient, enfin ça montre qu'ils sont présents, ils écrivent un mot dans le chat et le mot est récupéré, donc à partir de là... Après il faut l'envoyer au jeu quoi, c'est ça le plus compliqué. Bah ouais. Oui. Bon, ça se fait. Ça se fait très bien vu que Gotha le fait, mais c'est pas... Je pense que ce qui est compliqué c'est pas forcément de récupérer le mot, c'est de l'envoyer au jeu pour dire toi tu vas à gauche, à droite... Et déjà le fait de le récupérer d'un point de vue logiciel. Ça te permet après de communiquer plus facilement. Ah dommage. Dommage. Ah puis en plus je déglingole. Je déglingole. Un mot, bien sûr. Je déglingole. Alors, le brouillard. Putain. Moi, ma rentrée, c'est Zelda Plays. Pokémon, c'est marrant parce qu'il y a tellement de choix possibles. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus de trucs possibles, effectivement, sur Pokémon que sur Zelda. Et c'est vrai. Le problème de Zelda, c'est que pour faire du tour par tour, enfin, parce qu'il y a un délai, tu vois, entre chaque action, quand même. Et j'avoue que, comment tu combats? Sur Zelda? Ouais. Avec un délai et tout. Bah tu te fais juste ruiner le cul parce que t'as pas la réactivité pour... C'est ça. Au moindre... Putain, t'imagines les boss sur Zelda en Twitch Plays Impossible. Zelda c'est... Non, ouais c'est compliqué en vrai. Ça me paraît compliqué, ouais. Pokémon c'est très propice. Les échecs en vrai c'est pas mal aussi. Les échecs ou même ouais effectivement un Tetris. En éternel tu recommences. Après il y a déjà eu un Twitch Plays Dark Souls. Quoi? Oui. Il me semble que ça a été fini, mais non. Smash non. En vrai, non. Non, c'est un faux chat ça, non, c'est pas possible. Ils ont fait Dark Souls. Ah bah apparemment c'est vrai. Ah ouais, bah comme quoi on peut tout faire en fait. Dark Souls, mais un Twitch Plays Dark Souls. Ah, le jeu est facile en vrai. C'est vrai que le jeu est facile. Oh, je la mets alors j'étais en étoile. Non mais c'est pas vrai. Si si oui, si. Ouais, c'est pas mérité. Oh, c'est pas mérité, comment ça? Pas mérité. Zéro mérite là-dedans, c'est pas mérité. J'ai déjà vu du Twitch Plays Zelda Breath of the Wild. Mais attendez, quoi? Faut que je me renseigne sur cette histoire, mais le problème c'est que je prends le volant dans 12 heures. J'ai perdu. Les vacances sont annulées. Ah, je sais pas. On peut tout faire. Pourquoi moi je joue pas en fait? Parce que je rate mes balles à chaque fois donc. Il a décidé de me donner la game. Vas-y, là ça a joué. Attends, mais vraiment tu trolls à ce point-là? Mais comment ça j'ai décidé de. T'as mis du brouillard! Mais c'est pas moi qui ai mis le brouillard! Oh non, je vais la rater. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Bon bah super. Super. Bien joué pour cette victoire avec des ultis pas trop abusés au menu 3. Pardon. Là je fais combien? Oh putain mais je prends 3 points de... Oh là là. Triple bogey. Oh triple bogey. Ok super. Quand tu fais un Twitch play tu laisses ton orti tourner. Oui c'est ça. Ouais. Ouais ouais. Ah si? Oui. Oui non, après tu peux l'héberger ton truc hein mais... Serveur et tout mais bon ça c'est un peu chiant quoi. Ouais c'est pas nécessaire. Alors. Le truc c'est que sur le serveur tu peux gérer à distance, l'ordi tu peux difficilement le gérer à distance quoi. Tu peux hein, mais c'est chiant. Je pense que c'est pas Kameto ni Gotha qui gèrent. Hein. Non. Je pense pas que ce soit hébergé sur l'ordi de Gotaga, je ne pense pas. Hein. Non. À mon avis, ils ont des développeurs. Ouais, je sais pas. Non mais de toute façon c'est impossible de mettre ça en place en une soirée, c'est impossible. Ah non, impossible. Non, pas en une soirée. Impossible. Enfin même un truc déjà existant j'entends. Faut demander à Gotha, j'imagine, et... Oui, non, c'est impossible. Tu fais un fork de... Hop. Je pense pas que ce soit Gotha qui ait codé le truc. Non, effectivement. Ah bon? Non, putain, moi je pense que c'était lui. C'est quand même le French Monster, hein. Quand même. Et oui. Piou. Son développeur, c'est pas un métier. Non, c'est pas un vrai métier. Ok, dev. On reste assis devant l'ordi, en fait, et on écrit des trucs, voilà. Voilà. Ok, dev. Alors que comptable... C'est un... Des calculs, quoi, comptable. De quoi? Ils font des calculs, les comptables. Bah oui, bah ils comptent, quoi. Ah, ils comptent. Oh, j'esquive le ref. Une chaise et... On fout rien, bon, le rien.
C'est pas un métier, dev. Non. C'est une passion. Oui, c'est ça. De toute façon, quand tu postules dans une boîte et que tu dis que c'est une passion, ils font... Bah, et... On vous prend, hein. Bah, évidemment. Par contre, cette balle est absolument sublime. On dirait des nouvelles. Pas mal, hein. Ouais, j'aurais pas dû... Si, c'est très bien. Si, elle me... Oh, elle est pas mal, hein. Eh bien. J'ai jamais vu un coup aussi insane en 40 ans de carrière. Dixit, un homme de 25 ans. Bah, en vrai... Il y a une montée. Dev, c'est Stack Overflow, bien sûr. Oui, c'est ça. Bien sûr. Réponse directement sur Internet. Merci Géo pour ton deuxième mois et merci Omatorif pour ton dixième mois. Oula. Merci à vous. C'est un peu fort ça, non? Je pense... Mais la montée, tout ça. Hein. Ouais, la montée était pas assez haute. Tout simplement. Merci Weeblouche. Merci Jiraim. Merci à vous. Toum, tim, tum. Dev, c'est un docteur qui utilise Doctissimo. Ouais, c'est ça. Ça. Mm. Ça. C'est pour ça qu'ils ont toujours un ordi, d'ailleurs. Quand tu consultes. C'est ça. Alors. N'empêche que si j'avais pas, pour rigoler, fait le truc en or et un peu fait de la merde et tout, je pense que je rattrapais Justin. Oui. Oui, après si j'avais joué 400 heures, peut-être que j'aurais attrapé Ognu aussi, tu vois, avec des scies, il aurait fait le monde. Hein. Vous avez autant d'heures que moi, je pense. Il est deg. Autant d'heures. Non, Utrem, on n'a pas autant d'heures que toi, non. Tu vas pas nous la faire, tu vas pas nous la faire. Plus, vous avez fait une soirée prolongée la dernière fois. Hein. On check après. On a joué 2 heures de plus. Bah, en vrai, on check après. Énormément spammé le jeu. Alors... Non, mais les gars, ça ne sert à rien de débattre. On ira voir après cette game. Ah, mais moi, j'irai voir si vous voulez. Hein. Évidemment que tu iras voir, bien sûr qu'on le veut. Évidemment. Non mais non. Non mais d'accord. Faire du type. Non. Merci cher Iban pour ton 8ème mois de Prime. Sur JoGuessr, on offre 10 subs. Mais on joue pas à JoGuessr là. Puis après va vérifier quoi. Va vérifier. Bon, je pense. Hein. Je les appelle. Puis. C'est 100% que Onu a plus d'or, mais évidemment qu'il a plus d'or. Aïe aïe aïe. Bah vas-y, continue à rouler toi. Mais putain, mais... Matt, échec et Matt. Vas-y, c'est le beau jeu. J'en ai marre. Oh belle. Oh mec. J'en ai marre. À moi, enfin putain, enfin je peux jouer. Enfin. Et tu vois ce qui me dégoûte, parce que là je la mets, évidemment je la rate pas. Ouais, ce qui te dégoûte, ouais, c'est quoi? Moi j'ai 15 heures ou plus au niveau du nombre d'heures. Mais je pense que j'ai même pas 10. Ah, peut-être. Ah, j'ai peut-être 10... entre 10 et 15 heures. Ouais. Grand max. C'est à check. Pas beaucoup joué. Ah non, mais on va checker après. Checker. Mais j'ai déjà checké, hein, perso. Oh, t'as combien toi? T'as combien du coup? Oh, 35. Et bah voilà. Attends, t'as 35 heures? Oui. Mec, j'ai 15 heures ou plus, c'est-à-dire que t'as 20 heures de plus que moi? Ouais. Après, c'est pas grand chose dans le monde du jeu vidéo. On passe du simple au plus que double, quoi. Donc, si, c'est quand même pas mal. Ok. Bon, je viens de checker là. Ok. Je viens de checker. J'ai 10 euros plus. Oui, bah après, pendant mes 35 heures, je faisais des. Ouais. Et pourtant, t'as perdu la game de tout à l'heure. Hein. J'ai terminé l'histoire, bien sûr. En vrai, j'aurais le seum. Hein. Franchement. Est longue. Pourquoi il n'y a qu'une barre là? On est tous en internet. Voilà. Oh, c'est bon. Merci, Massalia, pour le 14e mois. J'ai enfin la fibre. Quel plaisir de te voir autrement qu'en 360. Plutôt BG en vrai. Je propose un plays que vous avez jamais vu auparavant. J'ai hâte. Merci, Rivenzi, pour ton 44e mois. Merci, frérot. La bobine, merci pour le 18e mois en T2. D'ailleurs, Rivenzi, je te prends un peu en otage, mais je sais pas ce que tu fais ce soir, mais je suis dispo ce soir si tu veux boire une petite binge avant que je parte quand même en vacances. Je suis chaud, si jamais. Voilà. Et merci la bobine, évidemment, pour 18ème mon T2. Okay, pas trop le temps de passer en ce moment, mais un plaisir. Franchement, de toute façon, je vais partir en vacances, je reviens après. Passable. TKT. TKT. Merci beaucoup. La binge qui... Binge qui colle, bien sûr. Carte au trésor ce soir. Ah non, j'avais pris en otage Rivenzi. En lui proposant une binge, mais il est pas dispo. Oh non. Mais tu devais pas faire ta valise? Psst.
La valise à 3h du matin. Mais moi, je sais pas vous, mais moi, ma valise, je la fais assez vite. Genre, je veux dire, c'est pas... Oui, j'ai pas grand chose à mettre, ça dépend combien de temps tu pars, mais 10 jours quand même. Je prends oui, mais 10 jours, au milieu, je vais pouvoir faire des... Voilà. Je vais pouvoir faire des machines et tout, tu vois. C'est vrai, ça. Ça va, quoi. Ça va. Ça va. Un peu fort, je pense. Ah ouais. Oui. Ouais. Oh putain, oui. Oh putain, oui. Oui, t'as tiré hors du green. Ouais. Ok, ok, je vais vous proposer un place là. Ok, on observe. Si tu la mets en hole in one, bien sûr, c'est 5 subs. Ah, j'ai rien dit, mais je le redis. Je le répète, enfin je le confirme. Si tu mets en hole in one, c'est 5 subs. Ah, c'est fort. En... Oh, il est magnifique. Non, ah, mais il est magnifique ton coup. Un poil plus à gauche. Ah ouais, putain, je suis bien moi là. Bien. Oh là, je suis propre. En vrai de vrai. Tu... Non, non, tu l'as fait vraiment tout droit, fais-moi confiance. De toute façon, t'as plus rien à perdre. Le volcan. Tu te mets tout droit. Tu gardes ton sand wedge et tu mets le truc à fond, tu vois. Tu le mets bien plus. Tu mets vraiment derrière. Tu le mets vraiment derrière. Et ensuite, tu fais une montée à 3 et en top spin. Comme ça ? Tu fais l'effet de monter à 3. En SW ? Ouais, ouais. Et bien derrière le drapeau. Et tu verras, ça, va, ça peut même le mettre. Et là, à 3. T'as mis... Tu l'as mis. Ok. J'avais dit bien derrière. Hein. J'avais dit bien derrière. Encore plus derrière. Ah oui, j'aurais dû taper beaucoup plus fort. Ah, mais là, attends, c'est ma spécialité, ça. C'est vrai. Silence dans la salle. Il est imprenable. Ah non. Ah, il est prenable. Je suis ultra prenable. Il est prenable. Je suis ultra prenable. Putain. Oh, merde. Oh, le beau birdie. Oh, bien joué. Oh, c'est dur. C'est dur ça. T'as un peu la pression, non? Attends, regarde. Non. Pourquoi faire? Hein? Hein? On a perdu bon sens. On a perdu. Alors, je vais expliquer ce qui s'est passé. En fait. Allô ? Oui ? En fait, je pensais que le tapis ne pouvait se faire de l'autre côté. Du coup, j'ai appuyé, puis j'ai réappuyé en faisant ah merde, non, j'ai pas attendu. Voilà. D'accord. Mais, regardez, mais juste regardez ça. Je me rattrape avec ça. Je viens. Oh, allez, il monte ma balle. En vrai, c'est pas si dégueu, hein. Bah si, c'est immonde. Pas si dégueu. Ah ouais, tu trouves? De toute façon, moi, ça fait un moment que la partie elle est finie pour moi, donc autant rigoler. Enfin, je veux dire, c'est bon. On est là pour le fun avant tout, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On est là pour le fun. D'ailleurs, je me suis rendu compte. Ah voilà, je me suis rendu compte qu'on la. On la comprend pas bien, tu vois, quand elle est abusée. Voilà. Ah. Allô? Oui. Oui. Pardon, oui. Attention. Essayez, hein. Pardon. Là, je la mets ici, hein. Tu penses la mettre là? Oui. Pas non, je pense. Pas certain, certain. On comprend rien du tout quand tu parles, par contre. Ah ouais, c'est chiant. On comprend rien. Moi, j'allais dire, je suis pas certain que ça passe. Non, c'est même sûr, ça passe pas. Non, ça... Mais t'es à chier, en fait. Quoi? J'arrive et je vois Pompon en plus 18. Ah oui, oui, je suis en plus 18 depuis l'époque de... Dans le cul, bien sûr. The Witcher 3, il y avait des scènes de boules. Franchement. Quoi? Est-ce que vous aimez le cul? J'adore le cul. Et toi, t'as... Ça. Innocent. Oh, bah, je suis un grand, mon... grand fan de cul. Ça m'est fait. Moi, c'est un petit plaisir que je me permette de temps en temps le cul, ouais. Ouais. Que, quoi comme... Comme cul, par exemple? Bon, des culs, des petits culs, des gros culs. Ok. Culs de taille moyenne. Ouais. Un cul au sens large. Ben, un large cul surtout, ouais. Un large cul, bien sûr. Mmh, ouais, bien sûr. Mmh. Je vais le plus loin possible. Hein. Mmh. En top spin, je pense que je suis bien en vrai. C'est vrai? Let's go! Parfait, regarde. C'est pas mal, ça. Ah, t'es chaud en vrai. Je suis dans une fosse naturelle. Ah, t'as du cul, hein.
franchement, on s'y croirait. Non mais, Onutra, elle est plus grave que toi, que moi, ta voix. Ah ouais, mais... Attends, ah, mais voilà. Ah mais d'accord. Le gender... Bien sûr, ouais, non, c'est le... Non, moi, c'est le pitch. Ah, c'est le pitch. Bah... Merci. Ah, ouais, mais non, c'est le pitch. Ah, c'est le pitch, ouais. Ouais. Salut. Attends, gender, elle... Oh, salut. Bah moi, voilà, je suis adolescent. Voilà. Bon, de toute façon, j'ai perdu, hein. Bah, t'es un peu abandonné, t'as une potentielle victoire, hein. Bah, potentiel, j'ai 4 points de... Bah, t'avais un d'avance, ouais. Il y a encore au moins 8 trous, donc... Ah oui, mais ça, c'était quand il y avait... Et pas le brouillard, quoi. Bien sûr. Au coin. On dégage. Oh, mais comment il me regarde. C'était vraiment la voix d'Alice et Moon. Comme ça. Ouais, là, c'est vraiment la voix d'Alice et Moon, ouais. Complètement. Après, on peut rigoler en disant « Ouais, c'est Ellie !» Mais au final, la voix d'Ellie, c'est plutôt ça, effectivement. Ouais, c'est Ellie, c'est Moon, ouais, complètement. Complètement. Salut. Salut. Saluté. Merci beaucoup, Bobo le coco, pour le troisième mois de Prime. Merci à toi. Un peu poil fort. Non, j'ai pas spin, ça, c'était l'erreur de ma carrière. Oh, bah tu tombes, je crois. Oh. Ok. Une fausse naturelle. Ok, alors moi, c'est très très simple. Je vais vous montrer comment la mettre en un coup quand on est placé ici, d'accord. Vas-y, on te regarde. Une fois, tu peux la mettre à instant ou pas, là. Ouais. Oh bah, 5 subs, hein, si tu la mets direct, hein, évidemment. 5 subs, bien sûr. 5 subs si je la mets direct. Ouais. Vous savez que c'est strictement impossible de la mettre ici, quand même. C'est possible, mais... C'est impossible. Ah. Pour le Mordor. Oh, j'aurais pas dû l'envoyer en l'air. Comme Kyo, tu vois, là, c'est une erreur. Je sais, là, il y a un petit spot. Putain. Ah, tu as parcouru le chemin, hein. Alors là, mais j'ai pas de conseils comme tout à l'heure. Ah bah. Là ça va être. Ça va, c'est une zone à péno donc. Oh. Ah c'est vrai. Bon, j'espère que je pourrais tirer une dernière fois parce que je veux juste une dernière danse donc ce serait cool de pouvoir. C'est danse. C'est super, c'est génial. En vrai, tuyau doré, hein. De quoi? En vrai, t'as un tuyau doré si tu veux, Justin. Ah, où ça? Non, moi je sais pas. Ah, ok. Il se dépêche l'autre là. T'inquiète. Avec la carte qui oui, bien sûr. Oui. Avec la carte qui oui. Oh, c'est fort, mais c'est bon. Ah, c'est pas dégueulasse. Oh ah, dommage. Mec, dommage. Fuck, dude. Alors. Fuck. En vrai, elle est facile, hein. Au bûcher. Voilà. Jamais fait un coup aussi simple, je pense. Jamais fait un coup aussi simple, excuse-nous, Tiger. Alors peut-être sur une redescente fulgurante. Dommage. Oh. Oh, juste derrière. Oh. Ok, vous êtes prêts ou pas? Droit. Attends. Ah non. Je suis prêt. Ich bin Mr. Masterclass. Vas-y. Und ich kann einfach gewinnen. Du bist une carte feu salade, hein? Ouais, je suis pas vraiment une salade de pommes de terre, mon pote, ça dépend. Ouais. C'est à chier. Oh, mec, avec un rebond. Ok. Mais attends, mais c'était de la merde, genre. Eux, quand même, non? C'était nul à chier. Oh, c'est encore de la merde. Non, si. Pourquoi j'ai pas backspin? Je sais pas. Peut-être parce que ça fait 8h55 que je suis en live. Peut-être, c'est possible que ça peut tirer un peu sur la corde. En vrai, à mon avis. Il est possible que ça tire un peu sur la corde. Oui. Oh, il est magnifique ce green. Oh, damn. Je crois qu'on est sur un give-up, hein, du côté du joueur avignonnais. Oh là là. Ah bah, c'est le bunker. Ah non. Sur la pire map aussi. Il y a de ça. Ah, mais c'est le dernier tronc en plus. Ouais, c'est ça. Il faut le savourer. Hein. Faut vraiment le savourer, ce mec. Je suis en train de le kiffer. Regarde, boum. Waouh! En vrai,
Aïe, aïe, aïe. Close. Close quand même. Nice. J'avais pas vu, il est à plus 18. Alors on explique le plus 18. On explique. J'ai pris un peu de retard sur une connerie et on s'est amusé à viser un tuyau d'or. Plusieurs fois, jusqu'à rentrer dedans et se rendre compte que ça ne faisait rien. Voilà, du coup, il y a une game, j'ai pris un petit plus 12, un truc comme ça. Enfin, on a testé quoi, on a fait des trucs, bien sûr. Non, mais le plus 18, ça veut dire qu'il faut être majeur pour regarder parce qu'en vrai, c'était très très violent. Tout à fait. Non, mais en vrai, faut l'expliquer. Et puis, il faut expliquer aussi que tout à l'heure, j'ai gagné la game précédente quand même, donc bon. C'est vrai. Avec. Avec moins 9 Un point d'avance, mais quand même une victoire très belle. Ouais. GG, Onu. Bien joué. GG. Bien joué, juste bien joué en fait. Bravo. Moins 11, non, je sais plus. Bah GG en tout cas. Bah ouais. Ouais, c'était sympa. J'avoue, j'en peux plus, mais c'était sympa. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Ouais. Bah ouais. Ouais. Et bah voilà. Et bah voilà, trollé. Et bah voilà. Bah voilà, ça s'est fait, c'est bien. C'est top. Ouais. Bah. C'est top. C'est top. Très, 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 très. Un petit Trackmania, petite ranked ? Non. Non. Il est 19h40, j'ai une valise à faire, je dois bouffer, je dois préparer aussi un Twitch Plays. Non, c'est pas vrai. C'est non, de mon côté, bien sûr. Non, bien sûr. Du Twitch Plays Ouais, c'est un peu tard, c'est dommage. Tu nous aurais demandé peut-être une semaine à l'avance. Non, mais mec, c'est pas grave, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça, mon pote à la compote. C'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, bah écoutez, Bah écoute, c'est cool. Merci. Ça régale de ouf. C'était vraiment trop bien. Merci beaucoup les copains pour cette session. Bonnes vacances à toi, Ponce. Merci. Vacances, en fait. Bah on se tient au courant pour quand je rentre pour une petite session Mario Golf et Trackman quoi. Bah oui. Et puis régale-nous de tes stories incroyables. Hein. Bien sûr. Je vais agrémenter mes réseaux de différentes stories, évidemment. Incroyable. Bisous les copains. Et bah bisous. Salut. Ciao Justin. Ciao Onu. Salut. Salut. Ciao. Ciao. Bon bah voilà, sur ce on va se laisser messieurs dames. Twitch Plays Zelda Breath of the Wild. Non mais en fait je pourrais pas mettre ça en place. C'est pas très très grave, c'est pas très très grave. Eh bien messieurs dames, sur ce dernier live avant les vacances, je vous laisse. Donc pour contextualiser, en gros je pars demain matin et je vais revenir dimanche 29. Donc en gros je reprends les lives le lundi 30. Soit finalement la semaine de la rentrée pour beaucoup. Donc voilà, il n'y a pas spécialement énormément de nouveautés hein, qui vont arriver à la rentrée. J'ai pas spécialement des annonces à faire pour la rentrée ou autre. Enfin, vous me connaissez, hein, je suis pas l'homme de la nouveauté et de l'événement, quoi. Mais voilà, plein de beaux jeux, plein de belles aventures qui nous attendent comme tout ce qui s'est passé cet été et même avant, quoi. Plein de belles choses. Juste, évidemment, je vais poster des stories sur Instagram de mes vacances, des petites conneries à droite à gauche. Évidemment, je vais partager ma bouffe, 2-3 paysages, des conneries, bien sûr. Bien sûr. Twitter, je sais pas, je vais voir. Parce que Twitter, à chaque fois que je l'ouvre, en ce moment, je perds foi en l'humanité, donc je le referme. Donc à voir. Mais ce qui va être important, surtout pour moi, ça va être prendre un peu l'air, voir des paysages, parler à des gens que je connais pas forcément pour juste, en fait, s'ouvrir un peu. Parce qu'avec avec tous les événements qu'il y a eu là, forcément, un événement sanitaire, bien sûr, on s'est un peu renfermé sur nous-mêmes et moi je suis quelqu'un d'assez social et j'ai beaucoup streamé, beaucoup joué et tout. Alors je suis complètement addict à ça donc il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que ça me manque de parler avec des gens, de découvrir des parcours, des choses, des endroits, des cultures, ce que vous voulez. C'est vrai que ça c'est un truc qui me manque aussi pour nourrir mon esprit pendant le live. Il y a ça aussi, c'est que ça fait du bien de s'aérer l'esprit pour revenir après tout chaud en live. Donc même si, moi aussi, vous allez me manquer beaucoup, les lives vont me manquer, les jeux vont me manquer, c'est une certitude. Je dois me forcer à prendre ces vacances-là aussi pour revenir l'esprit aéré. C'est très important. Très très important. Merci Sukio pour le 7e mois, merci beaucoup. Bonnes vacances Ponce. Repose-toi bien, évite les coups de soleil. On va essayer. Juste profite. Bah ouais, non mais ça va profiter un max. Comme d'habitude, merci infiniment pour votre soutien, votre présence et tout, c'est toujours une régalade. 10 jours sans toi, ouais, je sais que ça va être long, mais moi aussi, hein, ça va être long. Merci Walven pour le 25e mois. Profite bien, oublie-nous. Oui. Bah non, mais on verra.
On verra. Non, mais ça, je vais profiter, je vais kiffer. Ça va être très, très bien. On va aller raid une chaîne. Je sais pas encore qui. Je vais voir ça, je vais checker. Quoi qu'il arrive, merci pour tout le soutien, merci pour la présence, merci pour tous les messages. Je vous souhaite, moi, un très bon week-end là, à partir de demain, et puis aussi une très bonne semaine la semaine prochaine. Merci pour tout le soutien. Je vous donne rendez-vous en live le lundi 30, et sinon sur tous les réseaux, évidemment. Voilà, comme d'habitude, merci beaucoup. Oui, avant de se laisser. Évidemment, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a quand même la chaîne replay qui est dispo, où il y a vraiment beaucoup de replay. Si vous voulez revoir ou voir des trucs, merci Subutech pour l'abonnement jusqu'à octobre, merci beaucoup. Il y a plein de trucs à voir sur la chaîne replay si jamais vous êtes curieux d'aller voir des let's play ou quoi. Voilà, plein de belles choses qui arrivent pour la rentrée, plein de beaux jeux, plein de belles aventures et tout. Merci Lucas Croûte pour le 7ème, merci beaucoup. Gros bisous, merci pour tout. On se tient au courant. Voilà.